soupçons ont été confirmés, Jim. Vous avez fouillé dans la vie privée des employés. Oh, allez. C'est pas vraiment privé. Nous faisons confiance à nos informaticiens. Enfin, vous vous êtes procuré le numéro personnel de Tina et vous l'avez appelé. C'est inacceptable. Je voulais juste flirter un peu. S'il vous plaît, Bob, laissez-moi. Désolé, Jim. La décision est prise. Votre carte d'accès, vos identifiants Provide Blue et votre abonnement à la salle de sport ont été révoqués. Le département des ressources humaines vous enverra vos effets personnels. Merde. Bon, bah d'accord. Citara, tu nous portes la poisse. Quoi? Le type de Provide Blue, il s'est fait virer aujourd'hui. Son mot de passe est plus bon. Oups, désolé. Citara, la pro des infos périmées. Allez, je compte sur toi, ma belle. J'ai besoin des bonnes infos, là. J'ai dit que j'étais désolée. Putain, c'est pas vrai. Ok, j'ai trouvé un autre employé de Provide Blue. T'es sûr? Oui, je suis sûre. T'es vraiment, vraiment sûre? Oh, ça va, ta gueule. Hé, hey, trouve le mot de passe, toi. Mais c'est quoi ce truc? Ça t'apprendra à dire des conneries. L'autre jour, j'ai essayé d'apprendre le latin. Ok, j'ai le mot de passe. T'as mis Provide Blue sur ma carte? Ouais, je l'ai fait. T'es sûr? Tu t'es pas trompé. Ils ont peut-être changé d'adresse. Tu vas me lâcher, Marcus. Il est pas prêt de te lâcher avec ça. C'est la classe internationale, le gars. Ouais, t'as raison. Quand on est mort bourré, on est vraiment le roi du monde. C'est bon, t'y as accès? J'ai lancé l'analyse des données. T'es sûr que c'est bon? C'est bien les dernières données? C'était drôle la première fois, Marcus. Là, c'est lourd. Oh, waouh! En fait, ils surveillent tous les achats de leurs clients. T'achètes du fast-food, de la bière ou des chips, et boum, ta prime augmente. C'est ça leur clause de risque? Le seul vrai risque, c'est de se faire arnaquer. Faudrait modifier un peu leur algorithme. J'ai déjà commencé. Maintenant, chaque fois qu'un client fait un achat comme ça, sa prime diminue. J'ai bien envie de me faire le PDG et le directeur financier. Ils utilisent un service de location de limousine. Tu peux suivre leur véhicule, j'ai marqué l'endroit sur ta carte. Sur ma cible. RS. C'est filé. J'abandonne. Oh, fais chier, putain. Là. Où? On y va! C'est
Restez bête. Ici centrale, tenez-vous prêts. Des cibles potentielles ont été signalées près de votre position. Déployez-vous. Mais qu'est-ce que... Bon, il se fait la balle, attendez. J'installe le malware. J'ai les données GPS du directeur financier et du PDG. Le directeur financier. Ça donne quoi? Pas mal de données bancaires, déjà. Nickel. Commence par sa prime d'assurance à lui. Chaque fois qu'il prendra un cocktail dans son bar de Bourges, elle augmentera d'un coup. C'est fait. Allez, on passe au PDG, maintenant.
puta! Qu'est-ce qu'on a sur ce type? Son mot de passe chez Rencontre Discrète. Surtout qu'il est marié. Bah, ça va sûrement l'intéresser, la dame. On ajoute son email à elle sur son compte à lui? Ouais, comme ça elle recevra un email de confirmation pour chacune de ses rencontres. Ah, c'est moche. Marcus Holloway, le fléau de la foi. Arrête! Marcus Holloway, destructeur des faux commandements! Ouais, nul. Bon, Marcus Holloway, le pourfendeur de New Dawn! Ah, celui-là, il me plaît bien, tiens, on va le garder. Marcus, notre réseau de followers est devenu une vraie machine de guerre. Tu peux être fier, c'est toi qui as lancé tout ça. Là où DeadSec était qu'un tas d'idées désordonnées, t'en as fait un mouvement. Les gens portent tes logos, ils scandent tes slogans, t'as vraiment fait un super boulot. Merci, beau gosse. Mais n'oublie pas qu'on a un objectif. Tout ce que je fais, je le fais pas pour qu'on me passe de la pommade. Ce que je veux, moi, c'est que les gens ouvrent les yeux. Ça va pas tarder. Ils sont aveugles depuis trop longtemps. Yo, Orange. Salut, mec. Putain, j'espère que tu gardes les tickets. Tiens, regarde-moi ce guignol, là. Alors, parlez-nous de Home 2.0. Les systèmes Home sont entièrement inattaquables et vous garantissent une sécurité absolue. Sacrée affirmation. Vous n'avez pas peur que des groupes de hackers le prennent comme un challenge? Appelons-les par leur nom. DeadSec. S'ils veulent s'attaquer à nous, je les invite à essayer. Home 2.0 est un OS qui sait se défendre. Attends, il a carrément parlé de nous, là. Yep. Il sait pas à qui il a affaire, lui. C'est la guerre, maintenant. C'est pour ça que j'essaie de craquer 2.0. Il reste juste un... tout petit problème. Quoi? Attends. Tiens ça. Et recule un peu. Super, voilà, comme ça. La puce. Et un peu... difficile à extraire. En fait, ça sert à rien d'utiliser le matos de la version précédente pour craquer le nouvel OS. Pourquoi? Parce qu'ils ont modifié les ports, conformément au guide de l'obsolescence forcée pour capitaliste. Heureusement, un petit oiseau m'a dit que 2.0 contenait une vulnérabilité. Zero day. Bah alors ça, c'est pas de bol. Tu m'étonnes. Du coup, toi, mon pote, tu vas me trouver un chargement de précommande de 2.0 avant qu'un putain de White Hat dise à Home comment nous... faire à moi. T'as une relation super chelou avec la technologie, toi. Tu le sais, ça. Il pensait pas ce qu'il disait. Bon, ok. Je suis au centre de distribution. Ok, super. Faut que tu localises un ordinateur, un vieux modèle tout carré et tout caca. Home s'organise en utilisant la combo numéro de plaque plus destination. La technique du vieux crétin, quoi. Enfin, si le vieux crétin, c'était genre une entreprise. Ok, je vais voir ce que je peux trouver. Thank you.
Où est-ce que t'es ? C'est bon, ça ? C'est bon, j'ai la liste. Ok, super. Tout ce qui te reste à faire, c'est de trouver le centre de distribution et faire correspondre le numéro de la plaque d'un de leurs camions à celui du camion qui se dirige vers le centre-ville. Waouh, c'est analogique, ça. Je te l'avais dit. C'est le Moyen-Âge. T'interdirais ça, moi? T'as rien à faire ici, enfoiré de hacker! Fous le camp! Fous la tête! Fin d'aide, là! Tenez-vous prêts. On vous signale une cible déjà identifiée près de votre position. À vous. C'était quoi ? Cette zone immédiatement. C'est une zone à accès limité. Allez-vous-en.
Qu'est-ce que tu fous là? C'est n'importe quoi. Cherchez. Hé hey, ce qu'il y a là devrait pas être là. J'ai trouvé le camion. Super. Bah qu'est-ce que t'attends mon pote? Au boulot, allez! J'ai réussi à coincer la cible. On a une cible potentielle dans votre secteur. Je rentre à la base avec le chargement. Je prépare le comité d'accueil. Déployez-vous. De la merde. De la merde. À chier. Oh, attends un peu. Ah, quand même, il y a quelque chose de bien. Non, c'est de la merde. Pourri. Oh, 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 oh. Et ben voilà. Là, on a un truc de bon. Remarque, il est peut-être pas bon, hein. Ça se trouve, il est super méchant. Bah, j'en sais rien. Ça vient de chez Home, après tout. Bon, je vais préparer ce petit connard pendant que toi, tu vas nous chercher de la caféine. Quoi? Tu veux que je prenne des cafés pour vous deux? C'est un robot. C'est pour toi et moi, la caféine. Ah, ok. Lui, il prendra un déca. Bon. Alors, ça se passe comment, DedSec, depuis New Dawn? Ça se passe plutôt bien. Il y a des grandes manifs dans tout le pays. Même ceux qui, à la base, n'étaient pas associés à nous se rangent de notre côté. Ça pouvait pas mieux se passer pour nous. Ouais, enfin, New Dawn aurait pu fermer complètement aussi. On va continuer à travailler sur ça. Avec Miranda et Jimmy Siska en première ligne, New Dawn va salement morfler. Ah, j'adore l'état policier. C'est comme l'exhibitionnisme. Sauf que tu paies les gens pour qu'ils te mettent à poil. Attends, tu vas leur faire un show, là? Ouais, en mode marionnette. Et c'est quoi, les marionnettes? Attends, je bosse avec mes compétences, hein. Et quand je parle de marionnette, bien sûr, je parle de ma bite. Ouais, ouais, j'avais compris. Tu sais quoi? J'ai une version améliorée de la configuration Home de base installée chez moi. J'ai coupé la connexion serveur de l'installation. Ça marche aussi bien sans. Et qu'est-ce que tu fais des vidéos? J'ai un algorithme basé sur mes habitudes qui détecte les trucs suspects. Le système m'avertit tous les jours quand je rentre chez moi et je mate les vidéos avant la suppression. Si je veux les garder, je les copie sur USB et puis sur mon vieil ordi Win95. Pas de carte réseau. Ah, t'as déjà chopé des trucs cool? Surtout mon voisin qui me pique mes bégonias juste devant ma fenêtre. Il doit penser que ça repousse, sauf que c'est moi qui replante le week-end. T'es jamais allé lui parler? Non, ça va, c'est juste des fleurs. Ça coûte une blinde, c'est sûr, mais... mater son voisin en mode ninja venir te les arracher comme s'il jouait dans Karate Kid, ça a pas de prix. Merci, jeune homme. De rien. Je fais ce que je peux, je te signale. Et tu fais du super boulot. Je vais trouver une solution. Je dis juste que sont les composants adaptés et j'ai une... Mais regarde l'écran, merde. Je vais demander de tout reprogrammer depuis le début. Doucement. Tiens. J'ai trouvé un truc.
arrivé, bien joué. Eh, hey, fini le pool pour Josh. C'est comme de la cocaïne liquide pour lui. T'es folle, tu veux le tuer ou quoi? Non, non, y a pas moyen, laisse tomber. Non. C'est parti. Yeah! Wow! Comment je t'adore. Ouais, je veux juste dire à tout le monde ici, tous les bouffons de Dead Sec, que c'est les meilleurs putains de hackers, codeurs et voleurs que je connaisse. Mais allez pas dire ça aux flics, hein. Allez, santé, bande de bitches. Bon. Prochaine étape, trouver une maison connectée et pirater son serveur. Elle ressemble à quoi, l'unité d'affichage du complexe AED? On va voir. Sécurité basse. On devrait pouvoir tester le 0D sans risque. On devrait? C'est hyper rassurant. Les gars, le 0D a marché. Je suis dedans. Beau boulot, Marcus. Jette un œil dans la baraque. Home conserve les données de ses utilisateurs au niveau local, ça fait partie de leur garantie de sécurité. Si t'arrives à accéder aux vidéos des visiteurs, ça devrait suffire à déclencher l'alarme. Compris. Blip, bip, bloop. Le fonctionnement de mes systèmes est optimal. Tout est en ordre. Bienvenue chez Home. La maison intelligente du futur. Lors de votre visite, prenez le temps d'interagir pleinement avec l'espace qui vous entoure. Touchez, sentez, ouvrez et utilisez chaque objet et élément comme vous le souhaitez. Ceci est votre expérience, votre voyage. Et quand le moment de prendre une décision sera venu, n'oubliez pas. Home, sweet home. RAS. Le fonctionnement des systèmes est optimal. En ordre.
Les gars, c'est raté pour le serveur. Comment ça? Tu avais accès? C'est juste un point de relais. Les données sont stockées ailleurs. Non. Ce matériel fonctionne pas comme ça. S'ils avaient installé quelque chose d'autre, j'aurais... Josh? Hey, Josh, t'es là? Il est en train de lire les notes internes de Home Electronics. On te rappelle dès qu'on en sait plus. Vois ce que tu peux trouver de ton côté. Ok. Citara, t'avais parlé de la chaîne live de ta nièce, non? Dance Boo 01, c'est ça? Elle s'appelle Cindy et j'en peux plus de ses streams. On la voit dans sa chambre tout le temps, elle se filme quasiment 24 sur 24. J'arrête pas de lui dire qu'elle prend beaucoup trop de risques. J'ai entendu parler d'elle dans la rue. Elle a une petite notoriété maintenant. C'était quoi? Des pédophiles ou des serial killers? Si quelqu'un piratait sa webcam et découvrait où elle habite, j'ose même pas imaginer. On devrait lui donner une leçon. T'as une idée en tête? Couper la diffusion, pour lui montrer que le système n'est pas sûr à 100%. Et ça te dérange pas que je lui foute la honte en live au passage? Non mais tellement pas! Tant que je peux lui dire je t'avais prévenu à cette pauvre débile... Je vais voir ce que je peux faire. Les gars, je me rapproche de l'entonnoir de données. Faut que je trouve quelque part où me connecter. Ok, c'est parti. Oh, y a des flux de données qui arrivent de partout. Je crois pas que ce soit juste le 2.0, là. Ouais, t'as raison. Ces volumes sont trop importants pour le peu de dispositifs déjà actifs. Je vais regarder leur système, histoire de voir si j'arrive à identifier l'origine de tout ça. Ok. Tiens-nous au courant. Balayage du secteur terminé. Vous voulez vraiment que je fasse la pub d'une peluche qui espionne les mômes? Vous vous foutez de ma gueule? On dirait une checklist pour avoir un procès. Alors, toujours actif. Super, parce qu'un jouet qui dort jamais, ça fout pas du tout les jetons. Galerie en ligne de moments capturés. Me dites pas que ce truc diffuse des photos de bébés sur Internet. Surveillance de la satisfaction de l'enfant. Je veux même pas savoir comment il mesure ça. Et pourquoi il y a un formulaire de consentement avec? Ah non, désolé, mais là, je peux pas laisser passer ça. Balayage du secteur terminé. Tout est en ordre. Blip, bip, bloop. T'es qui, bordel? Maintenant, il y en a marre. Vous allez tous arrêter. On veut pas de hacker ici. Pars-toi. Rien à signaler. Tu ferais bien de te barrer, DedSec. Rien à signaler. Statut RAS. Tous les systèmes sont opérationnels. Tous les systèmes sont opérationnels.
Balayage du secteur terminé. Balayage du secteur terminé. Tous les systèmes sont opérationnels. Oh non, c'est pas vrai! Le fonctionnement de mon système est optimal. Ok, j'ouvre les vannes. Go! Oh merde! Gus, envoie-moi les types de Human Eye. Quelqu'un s'est connecté au serveur depuis les locaux. On sait pas ce qu'ils ont vu ni pour qui ils travaillent. Faut absolument pas qu'ils s'échappent. Marcus, qu'est-ce que t'as fait? Comment ça? Je viens de vous donner l'accès. Et en même temps, t'as alerté la sécurité privée de Home. Ils doivent sûrement avoir un système auxiliaire qui surveille leur connexion. Il faut que tu te planques le temps qu'on récupère tout ce qu'on peut. Ok, maniez-vous. Thank you.
va falloir que vous m'expliquiez le concept du fréquent partagé. En gros, je mets mon fréquent intelligent en ligne et je compare son contenu avec celui des autres fréquents intelligents du quartier au cas où il me manque quelque chose. Mais vous croyez que ça existe encore, le coup d'emprunter du sucre à ses voisins? Il y a une épicerie à chaque coin de rue maintenant. Sans parler du fait que si votre frigo fait bien son boulot, vous savez ce que vous avez programmé. Il doit m'avertir avant que je sois à courant. En fait, la principale utilité de ce truc, c'est de permettre à mes voisins de voir à quel point je fais pitié avec mes trois canettes et ma blanquette de porvier d'une semaine. Comme si on n'en avait pas assez d'invites pour juger les gens. Qui a prouvé ça? Oh merde. Quoi? C'est pas bon, vraiment pas bon là. Citara, il se passe quoi? Home organise ses clients en plusieurs flux distincts qu'il vend à d'autres boîtes. Principalement à des compagnies d'assurance maladie. Et alors? Si tu commandes de la pizza trop souvent, ton assurance augmente. Et Home reçoit un pourcentage. La vache, c'est crade. Ouais, et ça c'est que la partie émergée de l'iceberg. On va voir ce qu'on peut trouver de plus pour faire une vidéo bien dégueu. Qu'est-ce qu'il fait ce type? Pourquoi est-ce qu'il a un balai à chiottes dans le... Hé hey, hé, spoiler, spoiler! Hey. Pas de spoilers, promis. La vidéo de Citara est terminée. Du coup, je nous ai dégoté une pure bagnole pour aller à Sutro. Ça te dit de m'aider à préparer la station? Faut que j'aille la hacker, c'est ça? T'as tout compris. Ok, j'y vais. De hackers de San Francisco a mis au jour les secrets religieux de New Dawn. DedSec a publié des images vidéo du temple de New Dawn, démontrant que ces supposés artefacts anciens étaient en fait des faux que l'organisation voulait faire passer pour des tablettes antiques. Des membres de DedSec sont parvenus à infiltrer le complexe malgré la haute surveillance et ont réussi à filmer les méthodes de contrôle que l'organisation exerce sur ses membres, notamment sur la star de cinéma, Jimmy Siska. New Dawn a refusé de répondre à nos questions. Prêt à tout déchirer? Ouais, monsieur. Eh, au fait, pas mal ce que t'as fait à Junior. Ouais. Je crois qu'on aura bientôt mérité les vacances, ça te dit? J'ai toujours voulu nager avec des dauphins. Non, des raies! Des raies venimeuses. Oh, ce serait classe! Oh bah non, non, elles ont tué le mec, là, dans le film, là. Oh non, 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 carton rouge direct, mon pote. T'as qu'un seul carton rouge, alors? Du coup, ça sera les dauphins. Non, Marcus, on peut pas leur faire confiance à eux non plus. Ah bon? Pourquoi? J'ai vu un documentaire. Il y a un parc aquatique qui a foutu des caméras sur le dos des dauphins. Parce que la nuit, il y avait des meurtres. Eh ben, ça a pas loupé. Le film, c'était un putain de film d'horreur. Les dauphins, c'est des salopes. C'était pas des orques, plutôt? Non, mais orques, dauphins, c'est pareil. Ils ont des nageoires, ils font des bruits chelous, genre... Ké-ké-ké. Eh hey, les gars, ça se présente comment? Pour le moment, il y a carton rouge sur les raies et les orques, mais les dauphins sont encore dans la course. Non, 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 c'est mort. Je suis d'accord pour les raies. Elles ont tué Bourceau dans le film, là. Je suis perdu, là. De quoi vous parlez? On détermine les ajustements d'angle nécessaires à la transmission des données par les paraboles. Et je peux vous aider? Non, ça va.
vais rester ici. Je supporte pas les espaces clos et les uniformes pourris. C'était quoi? Carrément mignon. Vous êtes déclenché l'alarme! Il y a un intrus! Je vais me le faire! Un signal, une cible potentielle près de votre position. À vous. Sergent, hacker repéré! Nous demandons des agents supplémentaires! Attention! Démarrage dans 3, 2, 1. Je l'ai perdu. Pouillez la zone. C'est bon. Nickel. Il te reste plus qu'à escalader la tour pour ajuster l'antenne sur WKZ. Pardon ? Il plaisante. Il y a un ascenseur qui devrait pas tarder à arriver. Merci, Josh.
papier. J'imagine que t'as déjà sauté d'un avion, pas vrai? Mec, j'ai même crashé un avion. Et t'as déjà fait de l'escalade? Bah évidemment. T'as couru au milieu des taureaux? Ah non, non, t'es ouf ou quoi? Ah, je le savais! Mais c'est quoi ton problème avec les animaux? Je les emmerde, les animaux! On est en guerre avec eux. Ils sont en train d'évoluer comme des bâtards pour nous remplacer dans la chaîne alimentaire. Alors moins ils en savent sur nous, mieux ça ira. Quoi? Même les petits chiens? Surtout les petits chiens. Ils ont infiltré notre société, ces enculés. Ils nous mettent en scred et tout. Putain! Bon, bah on va t'offrir un chiot. Elle m'oblige pas à tabasser un chiot, Marcus. Je veux pas devenir un mec qui tabasse des chiots. Ça devrait être bon. Je fignole quelques petits détails et... voilà. Parfait. Josh et moi, on arrive dans pas longtemps. Ramenez de la minouze. Hey, pas mal la vue. Ouais, je trouve aussi. Vol, petit nuage. Y a plus qu'à s'asseoir et profiter du spectacle. T'es sûr que tu l'as bien configuré? Oh, ça va, ouais. Je te demande pas si t'as bien fait ton taf, moi. Si? Hé, hey, fermez-la, j'y suis. Avec le PDG de Home, qui nous a préparé une tu petite... Tu m'étonnes qu'il a une surprise pour... Tout à fait, Shirley. J'ai apporté notre tout dernier appareil, et je suis heureux d'annoncer le lancement du Home 2.0. Ouais, cool. En appuyant sur un simple bouton... C'est le logo de DadSec. Oh, je suis désolée. Trop fort! Éteignez! On a terminé, je n'ai plus rien à dire. Vous avez entendu? Citoyens de l'ère numérique, bienvenue. Home a cru pouvoir vous duper. La société vous a vendu un système pour votre foyer, garantissant votre intimité, votre sécurité et son utilité. Mais en réalité, Home vend vos habitudes. Vous avez souscrit un abonnement mensuel pour avoir le privilège d'être revendu au plus offrant. Il est temps d'ouvrir les yeux, de récupérer la valeur de votre existence. Si vous ne contrôlez pas ces informations, quelqu'un d'autre s'en chargera. Vous pouvez espérer que les multinationales vous traitent bien, ou vous pouvez prendre le problème à bras-le-corps. DadSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Steven, t'as pris un sale coup, mon pote, ça arrive. Écoute-moi bien, espèce d'hypocrite. C'était pas très malin, Steven. On peut dire que t'enchaînes les conneries en ce moment. Assieds-toi. Mec, je t'ai donné tous les outils. Tous. Pour utiliser ces données proactivement. Et toi, tu chies dans la colle et en prime time en plus. Ils ont déjà dû mettre ton interview en ligne avec de l'autotune. Fous la paix à DadSec. Je vais m'occuper d'eux. Tout ce que t'as à faire, c'est envoyer une lettre d'excuse à mes avocats pour avoir levé la main sur moi. Ça va aller? Est-ce que ça va aller? Dis oui. Oui. Eh ben voilà. Je vais te chercher un verre d'eau. Thank you.
Marcus, faut que tu viennes tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon, dépêche-toi. Hey Marcus, un follower a récupéré un email, ça vient de chez Home. Et ça vaut le détour, mon pote. Noodle s'agrandit encore. Le géant des moteurs de recherche a annoncé qu'il allait acquérir une nouvelle start-up high-tech. Cette fois, il s'agit d'InstaWheels. Noodle s'est offert la société de covoiturage pour 750 millions de dollars. L'avenir de la start-up était menacé par Driver San Francisco. Mais d'après les spécialistes, l'intégration des fonctionnalités recherche et cartographie de Noodle sur InstaWheels devrait placer la compagnie en tête du marché. L'opération est perçue comme un pied de nez de Noodle à ses concurrents, notamment Invite, qui a également étoffé son portefeuille de start-up. Les gars, j'ai une piste sur un pédophile potentiel qui bosse pour Home. Oh putain de merde. Big Brother, c'est un gros pédophile. Et ben voilà pourquoi on voulait s'intéresser à Home. Bon, alors c'est qui ce mec? Cole, machin truc, j'ai pas son nom de famille. On a sûrement la liste des employés de chez Home quelque part. Alors... Ah, Cole Lang. Je vais le retrouver. On va rassembler les preuves et voir le genre de personne qu'Home cherche à protéger.